Lord, we need you. Teach us this morning. We need your word to be changed. Your word can help us to produce fruits of spirit. We need you, Holy Spirit. Give us our daily bread. Give us our bread. Give us our bread. In the name of Jesus, we pray. We say, Amen. I want to invite Pastor Ashid, who will teach us this morning. Good morning, church. Hallelujah. Praise Jesus. Gloire à Dieu. Father, we want to bless your holy name this morning. Père, nous voulons bénir ton nom ce matin. Thank you for being in our midst. Merci d'être présent dans notre rencontre. And we want this presence be profitable for all of us. Et nous voulons que cette présence soit profitable pour chacun d'entre nous. By signs and the miracles. Par des signes et des miracles. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. It's a big privilege for us to be in this place this morning and to deliver the word of God. C'est un privilège pour nous d'être ici ce matin pour livrer, donner la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. And the scripture that we are going to read this morning. Et le passage que nous allons lire ce matin. Is in the book of Genesis. Et dans le livre de Genèse. Genesis chapter 26. Genèse chapitre 26. Then we are going to read from verse 1 to 22. Du verset 1 au verset 22. I'm reading from NIV. The Bible says, "Now there was a famine in the land, beside the provision famine, the previous famine in Abraham's time, and Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar. The Lord appeared to Isaac and said, 'Do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Stay in this land for a while, and I will be with you and will bless you. For to you and your descendants, I will give all these lands and will confirm the oath I swore to your father Abraham. I will make your descendant as numerous as the stars in the sky, and I will give them all these lands, and through your offspring all nations on the earth will be blessed. Because Abraham obeyed me and did everything I require of him, keeping my commands, my decrees, and my instructions.' So Isaac stayed in Gerar. When the men of the place asked him about his wife, he said, 'She is my sister,' because he was afraid to say, 'She is my wife.' He thought, 'The man of this place might kill him, might kill me on account of Rebekah, because she is beautiful.' When Isaac had been there a long time, Abimelech, king of the Philistines, looked down from a window and saw Isaac caressing his wife Rebekah. So Abimelech summoned Isaac and said, 'She is really your wife. Why did you say she is my sister?' Isaac answered him, 'Because I thought I might lose my life on account of her.' Then Abimelech said, 'What is this you have done to us? One of the men might well have slept with your wife, and you would have brought guilt upon us.' So
Abimelech gave orders to all the people, anyone who arms this man or his wife shall surely be put to death. Isaac planted crops in that land, and the same year he reaped 100-fold because the Lord blessed him. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. He had so many flocks and herds and servants that the Philistines envied him. So all the wells that his father's servant had dug in the time of his father Abraham, the Philistines stopped up, filling them with earth. Then Abimelech said to Isaac, "Move away from us. You have become too powerful for us." So Isaac moved away from there and encamped in the valley of Gerar, where he settled. Isaac reopened the wells that had begun dug in the time of his father Abraham, which the Philistines had stopped up after Abraham died, and he gave them the same name his father had given them. Isaac's servant dug in the valley and discovered a well of fresh water there, but the elders of Gerar quarreled with those of Isaac and said, "The water is ours." So he named the well Esek because they disputed with him. Then they dug another well, but they quarreled over that one also. So he named it Sitna. He moved on from there and dug another well, and no one quarreled over it. He named it Rehoboth, saying, "Now the Lord has given us room, and we will flourish in the land." Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You will flourish in the land. Hallelujah. Vous prospérerez dans le pays. Amen. Amen. And the topic of this morning, I titled my sermon like this: "The Secret of Prospering in Time of Famine." Hallelujah. Le titre de mon enseignement de ce matin est le secret de la prospérité dans le temps de famine. Dans le temps de la famine. Hallelujah. Amen. Yeah, I prefer to put it like that because in the scripture is saying about famine. Hallelujah. Je préfère le dire de la sorte parce que dans la parole, dans les écritures, on parle de la famine. We will discover what is meaning. Hallelujah. Nous allons en découvrir la signification. And there is two concepts in this scripture that I want to develop in my sermon this morning. Il y a deux concepts dans ce passage que je voudrais développer dans mon enseignement ce matin. The first concept is prosper, to prosper, prospering. Le premier concept est la prospérité. The prosperity, which means to be in a state of being prosperous. A state of abundance. La prospérité qui signifie être dans un état, dans une situation d'abondance. And it's a combination of wealth and physical blessings. C'est une combinaison de richesse et de bénédiction physique. And when they said someone is prosper, et quand on dit que quelqu'un est prospère, is not only being having a lot of material or physical goods or things. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir beaucoup d'argent ou encore des biens matériels. But it should also be a state of mind. Mais c'est aussi un état d'esprit. It can be also your wealth. Cela peut être aussi votre santé. Hallelujah. Amen. And there is a second concept which I want to explain is a famine. Il y a un deuxième concept qui est celui de la famine. And famine is just a failure of or a lack of food. La famine, c'est le manque de nourriture. When you can see that there is no food, quand vous pouvez voir qu'il n'y a pas de nourriture, in a land, dans une terre, we dans can un pays, speak about famine. On peut parler alors de famine. But in the Bible view, mais
dans le point de vue de la Bible, when we speak about a famine, quand on parle de la famine, it's like a season of uncertainty or difficulties. C'est comme une saison d'incertitude et de difficultés. Alléluia. When there is famine in a land, you can see that things are not working well. Quand il y a de la famine dans un pays, on peut se rendre compte que les choses ne vont pas très bien. You have difficulties to have food, to have water, to have money, to have business growing. On a des difficultés d'avoir de la nourriture, de l'eau, du succès dans les affaires. And you see that the life become more and more difficult in the land. Et on se rend compte que la vie devient de plus en plus difficile dans le pays. It's like this period that DRC is going on. C'est un peu comme la période que l'on traverse ici en RDC pour l'instant. It's a season where we see that things are not properly working. C'est une saison dans laquelle nous voyons que les choses n'avancent pas correctement. We have the depreciation, CDF. On se rend compte que pour l'instant nous avons une dépréciation du franc congolais. And we see that is sometimes for some families difficult. They are in difficulties to get food. Et on se rend compte qu'il y a quelques familles qui ont du mal à trouver de la nourriture. And there are this kind of season that can happen in everyone's life. Et il y a ce genre de saison, ce type de saison qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un. It can happen to anyone's life. Ça peut arriver dans la vie de n'importe qui. A season of uncertainty. Une saison d'incertitude. And in that kind of period. Et dans ce type de période. God is always behind His servants to bless them or to give them provision. Et Dieu est toujours derrière ses enfants pour leur donner de la provision. And through the scripture that we read this morning, et à travers la parole que nous avons lue ce matin, we can learn how someone, nous pouvons apprendre comment un homme, he got success, a obtenu du succès, despite the circumstances of his period, malgré la période qu'il traversait. He did some exploits. Il a accompli des exploits. Because he got some secret from God. Parce qu'il avait un secret de Dieu. And this is the secret that I would like to share with you this morning. Et c'est ce secret que je voudrais partager avec vous ce matin. The secret of being prosper. Le secret d'être prospère. In a period of uncertainty. Dans une période d'incertitude. Let us discover that. Nous allons découvrir cela. You know the Bible says. La Bible dit. Now there was a famine in the land beside the previous famine in Abraham's time, and Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar. Il y avait un temps de famine pendant lequel Isaac alla vers Abimelech, le roi des Philistins, à Gerar. And you can see that at that period. Vous pouvez voir que durant cette période, Isaac was looking a solution for his family and his servants. Isaac essayait de trouver une solution pour sa famille et because ses serviteurs. Because it was not a very good period for them. Parce que ce n'était pas une bonne période pour and eux. And he moved from one location to another location. Alors il a quitté un endroit pour un autre. And the Bible says. Et la Bible dit. Verse 2. The Lord appeared to Isaac and said, "Do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live." L'Éternel lui apparut et dit, "Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai." The first secret is trusting God's guidance in time of uncertainty. Le premier secret est celui de faire confiance à Dieu pour qu'il nous guide dans cette période d'incertitude. To trust God in the period of uncertainty. Faire confiance à Dieu dans la période d'incertitude. In a period where you lack everything. Dans la période où il te manque tout. The period that you see that your life is not going well. La période dans laquelle tu vois que ta vie n'avance pas bien. The first secret. Le premier secret. To have a success. Pour obtenir le succès. And to go out of this situation. Et de sortir de cette situation. Is to trust God's guidance. C'est de faire confiance à la direction de Dieu. Listen what the Bible says. Écoutez ce que la Bible dit. The Lord appeared to Isaac and said. L'Éternel apparut à Isaac et dit. Do not go down to Egypt. Ne descends pas en Égypte. Live in the land I will tell you to live. Demeure dans le pays que je te dirai. Look. Regardez. This man.
cet homme and his family, et sa famille, they was not in a good situation. N'étaient pas dans une bonne situation. But at that period, mais à cette période-là, God revealed himself to Isaac, Dieu s'est révélé lui-même à Isaac, and says to Isaac, et dit à Isaac, don't go down to Egypt. Ne retourne pas en Égypte. He didn't want Isaac to go down to Egypt. Ne descend pas en Égypte. You know, Egypt at that period, Égypte à cette it was a powerful country. C'était un pays puissant. A very powerful country. Un pays très puissant. And when the Bible speaks about Egypt at that period, et quand la Bible parle de l'Égypte à cette période-là, at that period the climate was very good for Egypt. Le climat était bon en Égypte. They can plant. Ils avaient de, they can plant. Ils pouvaient cultiver. And they have the they can get something from the what they did. Et ils pouvaient récolter ce qu'ils avaient semé. And at that period, et à cette période-là, you can understand that Egypt it was the very sure place that the people of God, Isaac and his servants, supposed to go. Que l'Égypte était l'endroit le plus sûr où le peuple de Dieu, Isaac et ses serviteurs pouvaient se rendre. It's very normal. Ce qui était tout à fait normal. But God says to Isaac, mais Dieu dit à Isaac, don't go to Egypt. Ne descends pas en Égypte. Alléluia. Amen. It's like now in DRC. C'est comme maintenant ici en RDC. When someone is seeing what is going on, quand quelqu'un constate ce qui se passe pour l'instant, say, no, I have to leave this country. Il va dire non, moi je vais quitter ce pays. Now the better place to go is the US. Maintenant, le meilleur endroit où il faut se rendre ce sont les États-Unis. You can see that all this visible materials, wealth, and everything that is in the US. Combien d'être là-bas, matériel qui est là-bas aux États-Unis. And that is the feeling of everyone. Et c'est le sentiment de tout le monde. I say, no, I have to leave this country. Non, je dois quitter ce pays. About what's happening in this country this time? Avec tout ce qui se passe pour l'instant dans ce pays. Many people are very disappointed. Beaucoup de gens sont déçus. And they say, no, we have to leave this country. Et ils se disent non, nous devons quitter ce pays. And it could be a very good reason. Et cela peut être dû for à de bonnes raisons. Isaac, pour Isaac and his people, et sa famille, to go to Egypt. D'aller en Égypte. But God revealed himself to Isaac. Mais Dieu he se said, révèle don't à go Isaac to Egypt. Et lui dit ne descends pas en Égypte. Don't go to this visible wealth. Ne descends pas vers ces richesses visibles. Don't go there. Ne va pas là-bas. Stay where I'm going to tell you to stay. Demeure là où je te demanderai de rester. My brother and my sister, mon frère, ma sœur, let me tell you, laisse-moi te dire, if you trust the guidance of God, si tu fais confiance aux directives de Dieu, in a tough time of your life, dans la période difficile you de ta see vie, that God will always be behind you, tu verras que Dieu sera toujours derrière toi, and to bless you, et il te bénira. Stay where God tell you to stay. Demeure là où Dieu te demande de rester. Don't go to Egypt. Ne va pas en Égypte. Egypt is the image of these visible things that we can see. L'Égypte est l'image de choses visibles que nous pouvons voir. Sometimes we envy that. Des fois nous envions cela. But God say, mais Dieu dit, in such situation, dans ce type de situation, I'm the Lord of the heaven and the earth. Je suis le Dieu du ciel et don't de la terre. Don't move down to Egypt. Ne descends pas en Égypte. I'm speaking to someone this morning. Je parle à quelqu'un ce matin. Maybe you have decided to go to Egypt. Peut-être que tu as décidé d'aller en Égypte. To go to the way where everyone is going. De suivre la voie que tout le monde emprunte. To see what everyone is seeing. De regarder à tout ce que les but autres voient. But listen the voice of God. Mais écoute la voix de Dieu. Be confident about what God is saying to you. Fais confiance à ce que Dieu te dit. What God is saying to you. Qu'est-ce que Dieu te dit? In your situation. Dans ta situation. In the condition that you are now. Dans la condition dans laquelle tu es maintenant. The moment that you are going through. La situation que tu what traverses. What God is speaking to you. Qu'est-ce que Dieu te dit? Hallelujah. Amen. Sometimes we rush to take some decision. Quelquefois nous sommes rapides, nous sommes pressés de prendre des décisions. Without listening what God is telling to us. Sans écouter ce que Dieu essaye de nous dire. But the Bible says. Mais la Bible dit. Don't go to Egypt. Ne descends pas en Égypte. Hallelujah. Amen. The secret to prosper in time of a famine. Le secret de la prospérité dans le temps de la famine. In time of uncertainty. Dans le temps d'incertitude. Is being surrounded with the plan of God. C'est d'être entouré par le plan de Dieu. And trusting the guidance of God. Et faire confiance aux directives the de Lord Dieu. Said, Dieu dit,
I know the plan that I have for you. Je connais les plans que j'ai formés Imagine pour toi. Imagine. What kind of trouble this man could have when going down to Egypt? Quelles difficultés il aurait pu rencontrer en allant en Égypte? We never know. On ne sait jamais. But trust God. Mais fais confiance à trust Dieu. The guidance of God. Fais confiance aux directives de Dieu. In such time, dans ce type de it's période, the moment that you should look to be in intimity with God. C'est le moment où tu dois rechercher à être dans l'intimité avec Dieu. And to have the clear guidance of God. Et d'obtenir des directives claires de la part de Dieu. And sometimes we fail. Et quelquefois nous échouons. To listen what God is speaking to nous us. Nous échouons à entendre, nous ratons d'entendre ce que Dieu essaye de nous yeah, dire. Yeah, Egypt is good. L'Égypte est bonne. But don't go down to Egypt. Mais ne va pas en Égypte. Tell yourself, I don't want to go down to Egypt. Dis en toi-même, je ne veux pas aller en Égypte. I don't want to go down to Egypt. Je ne veux pas descendre en Égypte. I will trust God. Je ferai confiance don't à Dieu. Don't go down to Egypt. Ne descends pas en Égypte. Stay where God is waiting for you. Demeure là où Dieu t'attend. That is the first secret. Ça c'est le premier secret. God is always speaking to us. Dieu nous parle toujours. Alléluia. Amen. There's no situation in our lives. Il n'y a aucune situation dans notre vie. Where God is out of that situation. Dans laquelle Dieu n'existe pas. He is always. Dieu est toujours. Remember. Rappelle-toi. Disciples, they were complaining. Les disciples se plaignaient. When the waves were shaking the boat. Quand les vagues secouaient la barque. In a human perception. D'après la perception humaine, you can say that Jesus was not inside. On peut dire que Jésus n'était pas à l'intérieur. But despite the fact that the boat was have been waved by the waves, mais malgré le fait que la barque était secouée par les vagues, Jesus was inside the barque. Jésus était à l'intérieur de la barque. He was inside the boat. Il était à l'intérieur There's de cette no barque. Situation of your life. Il n'y a aucune situation where dans ta God vie is absent. Dans laquelle Dieu est absent. He's always there. Il est toujours là. You can miss something today. Tu peux vivre quelque chose you aujourd'hui. Can miss something vous pouvez today. Rater, manquer quelque chose aujourd'hui. You can be in a bad situation. Vous pouvez être dans une situation difficile. But let me tell you, mais laisse-moi te dire. Don't go find solution anywhere else. Ne va pas trouver une solution ailleurs. There's a solution. Il y a une solution. Where God is will going to guide you. Dans laquelle Dieu va te guider. In a way that God will guide you. Dans la façon dont Dieu va te guider. Don't go to Egypt. Ne va pas en Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Don't go to Egypt. Ne descends pas en Égypte. This time, cette fois-ci, we have learned more about these kidnapping issues. On a beaucoup entendu parler de ce problème de kidnapping. Alléluia. We have seen young men. On a vu des jeunes gens. They have some appearance in the network, in social media. Ils apparaissent dans les réseaux sociaux. This is Egypt. C'est ça l'Égypte. But in reality, mais en réalité, they were just the criminals. Ce sont juste des criminels. And if you are not putting your attention to the word of God, et si tu ne fais pas attention à la parole de Dieu, you can envy those people. Tu peux même envier say, ces I gens-là. I want to be like those people. Ah oui, je voudrais être comme no, eux. No, your way, the ways of God in your life. Mais la façon d'agir de Dieu dans ta vie are different. Est différente. Don't go to Egypt. Ne descends pas en Égypte. Don't find your solution in Egypt. Ne va pas trouver des solutions en Égypte. There is a solution where God wants you to stay. Il y a la solution là où Dieu veut que tu demeures. I'm speaking to someone this morning. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen. 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 The second one. Le deuxième secret. Obedience to God's instruction. L'obéissance aux instructions de Dieu. A significant factor into prosperity. C'est un facteur important pour la prospérité. Being obedient. Être obéissant. Being obedient. Être obéissant. Is a key, is a factor. C'est un facteur. For us to be prosperous. Pour nous de devenir prospères. Alléluia. Amen. Verse 3. Look what the Bible says. Au verset 3. Stay in this land for a while. Séjourne dans ce pays. He speak to Isaac. Il parle à Isaac. To stay in the land for a while. En lui demandant de demeurer dans le pays pour un I temps. I will be with you. Je serai avec toi. And will bless you. Et je te bénirai. For to you and your descendants. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et ta postérité. I will give all this land and I will confirm the oath I swore to you to your father Abraham. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Verse 5. Au verset 5. Because Abraham, parce que Abraham obeyed me, a obéi à ma voix, and did everything I require of him, et qu'il a observé mes ordres et mes commandements, keeping my commands,
Il a observé mes commandements. And my decrees. Mes statuts. And my instructions. Et mes lois. Look what the Bible says in verse 6. Regardez ce que la Bible dit au verset 6. So Isaac. Et Isaac. Stay in Gerar. Resta à Gerar. Hallelujah. Amen. Isaac, the Bible says he was obedient to God. Et la Bible dit que Isaac était obéissant au Seigneur. As his father Abraham. Comme son père Abraham. He was obedient. Il était obéissant. So Isaac stayed in Gerar. Alors Isaac est resté à Gerar. What is the characteristic of Gerar? Quelles sont les caractéristiques at that de Gerar? Period, à ce moment-là. What is the characteristic of Gerar? Caractéristique de Gerar? Land of famine. C'était une terre de famine. Hallelujah. There was nothing. Il n'y avait rien. It was a land of famine. C'était aussi une terre où il y avait de la famine. But God speaks to him. Mais Dieu lui parle. And Isaac stay in Gerar. Et Isaac reste à Gerar. Despite what was seeing in that land. Malgré ce que l'on voyait dans cette terre-là, dans ce pays-là. It was a desert. C'était le désert. You cannot plant. On ne pouvait pas cultiver. You can do nothing. Vous ne pouvez rien faire. There's no water. Il n'y avait pas for d'eau. For flocks. Il n'y avait rien. There's no water to plant. Pas d'eau pour cultiver. But the Bible says, mais la Bible dit, he was obedient. Il était obéissant. He stayed in Gerar. Il est resté à Gerar. Hallelujah. Amen. He stays there. Il est resté là. According to the word of God. Selon la parole de Dieu. He preferred to stay there. Il a préféré rester là. Yes. Oui. Being obedient. Être obéissant. Is also a kind of taking risk. C'est aussi une façon de prendre des risques. Alléluia. Amen. We accept to take a risk. Nous acceptons de prendre un risque. Because God says. Parce que Dieu le dit. Alléluia. Amen. Despite what you are suffering. Malgré ce que l'on endure. Despite the situation that you are going through. Malgré la situation que l'on traverse. Despite your condition. Malgré ta condition. Despite the opposition that you are facing. Malgré l'opposition à laquelle tu fais face. Be obedient. Reste obéissant. Alléluia. Amen. And this is one of the things that the devil is fighting us. Et c'est une des choses pour laquelle le diable nous combat. Just to divert our ways. Pour dévier nos voies, pour faire dévier nos voies. Instead of being obedient to God. Au lieu d'être obéissant à Dieu. Alléluia. Amen. And some people they fail because they are not obedient. Et certaines personnes échouent parce qu'elles manquent d'obéissance. That is one of the key. C'est une des clés. If you want to success. Si tu veux réussir. Being obedient. Sois obéissant. Hallelujah. Amen. And it was very foolish. It was et very foolish. Très fou. Because there was nothing. Parce qu'il n'y avait rien. Hallelujah. Amen. You see how God is guiding his people. Et vous voyez comment Dieu conduit son peuple. Normalement, this man, cet homme, suppose not to stay there. N'était pas supposé rester là-bas. Alléluia. But because of the word of God. Mais à cause de la parole de Dieu. He was obedient. Il était obéissant. Alléluia. Amen. And God required from Isaac to be obedient as Dieu, his father was obedient. Dieu demandait d'Isaac qu'il soit obéissant comme son père était obéissant. That is why he repeated this word to Isaac. C'est pour cela qu'il a répété ces paroles à he Isaac. Started saying that I will bless you. Je te bénirai. I will give you this land. Je te donnerai ce pays. I will give you everything. Je te donnerai tout. I will give and I will respect the all that I did with your father Abraham. Et je respecterai le serment que j'ai fait à ton and père Abraham. And I will respect also for the offspring. I will respect it also for offspring. Et je vais aussi le faire pour ta postérité. And he repeated to this word to Isaac saying that. Et il a répété ces paroles à Isaac. Because. À cause. I'm doing this because. Je le fais à cause. Your father Abraham, je le fais parce que ton père was obedient. Ton père Abraham était obéissant. He respected my instructions. Il a respecté mes commandements. He respected my commands. Il a respecté mes commandements, mes he instructions. Respected my word. Il a respecté ma parole. I'm doing that because of Abraham's obedience. Je le fais à cause de l'obéissance d'Abraham. Alléluia. Amen. If you are obedient, si tu es obéissant, you will be blessed. Tu seras béni. God will bless you. Dieu te bénira. But also,
mais aussi because of your obedience, à cause de ton obéissance, God will also bless your family. Il va aussi bénir ta famille. He will bless your offspring. Il va bénir ta postérité. Because the Bible says, parce que la Bible dit, is always behind his word, il est toujours derrière sa parole, to fulfill it, pour l'accomplir. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Let me go fast, then we can finish. Je vais aller vite, comme ça on pourra terminer. The third one. Le troisième point. The third one. Le troisième secret. One of the secrets. L'un des secrets. Plant and dig wells. Plant. Cultive. And dig wells. Dans le... Creuse le puits. Creuse le puits. Alléluia. Amen. 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 Plant and dig wells. Okay. Creuse le puits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. What that means? Qu'est-ce que cela signifie? God is showing us. Dieu nous montre that we should not. Que nous ne devons pas. Cross our fingers. Nous ne devons pas croiser nos bras. But we can continue laboring. Mais nous devons continuer à labourer. Even if the conditions are not good. Même si les conditions ne sont pas bonnes. Alléluia. Amen. Even if the situation is not good. Même si la situation n'est pas bonne. We have to continue to do what God is asking us to do. Nous devons continuer à faire ce que Dieu nous demande de faire. And when we are doing it. Pendant que nous le ferons, we'll see the blessing of God. Nous verrons la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. This means persistence in the face of the opposition. Cela signifie de persévérer face à l'opposition. Isaac decided to plant. Isaac a décidé de to plant de cultiver and to dig wells et de creuser des puits. In midst of a famine, he demonstrated his persistence and his resilience. Et dans cette période de famine, il a démontré sa persévérance et sa résilience. In difficult times, dans les temps difficiles, we need to dig. Nous devons creuser deeper, encore plus profondément, and push through obstacles. Et pousser, repousser les obstacles. Verse 12. Au verset 12. Look what the Bible says. Voyons ce que la Bible dit. I spoke about the characteristics of Gerar. J'ai parlé des caractéristiques de Gerar. It was a land of famine. C'était une terre de famine. But look what the Bible says in verse 12. Mais regardons ce que la Bible dit dans le verset 12. Isaac planted crops. Sema dans le pays. In that land. Dans ce pays. And the same year. Et la même année. Reaped 100-fold. Il recueillit. Because the Lord blessed him. Il recueillit le centuple car l'Éternel le bénit. Alléluia. Amen. The Bible says, la Bible in the same dit, year, dans la même année, the year of famine, it la, was l'année not de a good famine. Year. It was même, the year of famine. C'était la même année, l'année de and la famine. And God decided that Isaac supposed to stay there. Et Dieu avait dit à Isaac de rester là. In a place that there was nothing. Dans l'endroit où il n'y avait rien. There was no hope. Il n'y avait pas d'espérance. There was no salvation. Il n'y avait pas de there salut. There was nothing. Il n'y avait rien. But the Bible says. Mais la Bible dit. In the same year. Dans la même année. Isaac he planted. Isaac a semé. In the land. Dans le pays. In the same year. Et la même année. He reaped 100-fold. Il a recueilli au centuple. Alléluia. Amen. 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 I'm speaking to someone. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Despite your situation. Malgré ta situation. Do what God is asking you to do. Fais ce que Dieu te demande you de faire. You will reap 100-fold. Tu vas récolter you au centuple. You will receive what God has promised to you. Tu vas recevoir ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Amen. There is hope. Il y a de l'espérance. The Bible says. La Bible dit. This man. Cet homme. He just started planting. Il a juste commencé à semer. Then I asked myself question. Alors je me suis posé la question. The land. Cette terre, ce pays. Was a desert. C'était le désert. And there were people living there. Et il y avait des gens qui y vivaient. Hallelujah. But those people they didn't plant. Mais ces gens ne semaient pas. But when
Isaac came to the land, mais quand Isaac est arrivé dans ce pays, cross his hands, il n'a pas croisé ses bras. But he start planting, mais il a commencé à planter. And he start digging, et il a commencé à and récolter. The Bible says, et la Bible dit, the same year, la même année, those people were there, ces gens-là étaient they là. Couldn't do it, ils ne pouvaient pas but le the faire. Grace of God was on Isaac. Mais la grâce de Dieu était when sur he Isaac. Came to the land of desert, quand il est arrivé dans he ce désert, doing something. Il a commencé à faire quelque do chose. Do something, my brother. Fais quelque chose, mon do frère. Do something. Fais quelque chose. Despite the economic situation, do something. Malgré la situation économique, fais quelque chose. You. Dieu sera avec and toi. The same year, et la même année, I'm speaking to someone, je parle à quelqu'un. Before this year ends, avant la fin de cette you année, will receive tu vas recevoir le centuple. Because you are not alone, a normal person. Parce que tu n'es pas une personne you are normale. Walking with the Almighty God, tu marches avec le Dieu puissant, the master of a season, qui est le maître des no saisons. Matter the season that you are facing, peu importe la saison que you can receive something from God. Tu peux recevoir quelque because chose de the grace Dieu. Of God is with you. Parce que la grâce de Dieu est avec he's toi. The one who can make the ground to be prosperous. Il est celui you. Qui peut faire que la terre soit prospère. Hallelujah. Amen. This man. Cet homme. The Bible says. La Bible dit. Those people they were looking. Ces gens le regardaient. Said, no. This il, man. Il disait cet homme non. This non. Man no. Cet homme non. And Abimelech says to this man. Et Abimelech lui dit. So you have to go. Tu dois partir. You have to go. Tu dois partir. Your blessing. Tu es your blessing. Tes bénédictions. Your prosperity. Ta prospérité. We make some people jealous. Va rendre certaines personnes jalouses. You can jaloux. Be in the same situation. Tu peux être dans la même situation. But you have not the same God. Mais tu n'as pas le même Dieu. Your God is different Dieu. Than their God. Ton Dieu est différent you can de leur be in the Dieu. Same condition. Vous pouvez être dans les mêmes conditions. But your condition is different. Mais ta condition est you différente. You are listening God. Toi tu écoutes God Dieu. Is speaking to you. Dieu qui te He parle. Said, be there. Qui te dit reste là. I will plant you there. Je vais te placer and là. When God plants you there, et quand Dieu te place no là. One has power, neither the authority personne to remove n'a l'autorité you. De te déplacer. When God has planted you, quand Dieu t'a placé you. Quelque part. Hallelujah. Amen. I'm speaking to someone. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Can you shout a big amen? Est-ce que vous pouvez crier un grand amen? Verse the following verse, verse 13, the Bible says the man became rich. Au verset 13, il est dit cet homme devint riche. Hallelujah. Can you read with me this est-ce one? Est-ce que vous pouvez lire avec moi ce verset? Can you keep it? Au verset 13. Take your Bible. Prenez vos Bibles. Take your Bible. Prenez vos Bibles. I want you to read with me this one. Je veux que vous puissiez lire avec the moi Bible ce verset. Says, la Bible the dit, man cet homme became devint read with me. The man became he became what? Qu'est-ce que cet homme est devenu? He became what? Rich. The man became rich. Cet homme est devenu riche. And his wealth. Et sa richesse. Did what? And his wealth did what? Continued to grow. Et sa richesse continuait hey, de grandir. Hallelujah. Amen. The Bible not only says. La Bible ne dit pas this seulement man became rich. Que cet homme est devenu it riche. It was a physical. Physical prosperity. On parle de la prospérité matérielle. It was not something in the mind. Ce n'était pas quelque chose dans l'esprit, thinking dans la tête. In the mind. No, non, it non. Was a physical. C'était vraiment une richesse, une prospérité matérielle. The Bible says this man became what? Cet he homme, became rich. La Bible dit que cet homme est devenu riche. My brother, let me tell you. Mon frère, laisse-moi te God dire. God can make you rich. Dieu peut te rendre and riche. And the Bible says. La Bible dit. Not only he became rich. Non seulement il est devenu but riche. His wealth. Mais cette richesse. Continue to prosper. Continuer à s'agrandir. Hey, hallelujah. Amen. This is the difference with our God. C'est ça la différence avec notre Dieu. Hallelujah. Amen. Continue to grow. Cette richesse allait en grandissant. You will not stay in that condition. Tu ne resteras pas dans cette condition. You will grow. Tu vas grandir. Your riches will grow. Ta richesse va grandir. Your business will grow. Ton business va grandir. Your family will grow. Ta famille va grandir. Your activity will grow. Ton activité you va grandir. Go glory to glory. Tu vas continuer de gloire en gloire. To prosperity. De prospérité en prospérité. Being rich and rich. De riche en no riche. No one will stop it. Personne ne pourra hallelujah. Amen. No one will stop you. Personne ne let pourra t'arrêter. Tell you, if you read this story, et si tu lis cette man, histoire, cet homme, they sack him. Ils l'ont chassé. They sack him from that land. Ils l'ont chassé they de said, ce you pays. Become more rich and powerful. Tu es devenu trop riche et trop puissant. Va-t'en. The guy, he packed his things, il a commencé à emballer and ses he affaires. Going. Il a commencé à partir. He was keeping the word of God. Il continuait à maintenir you la parole they de Dieu. Him, they stopped him to be prosperous at that land. Ils ont voulu l'arrêter de prospérer but dans ce pays-là.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? The Bible says he went to another place. La Bible dit il est parti ailleurs. He dig well. Il a continué à what creuser he found? Des puits. He found water. Il a trouvé de l'eau. Hallelujah. Amen. They thought that they could stop him. Il pensait qu'il pouvait l'arrêter. They sacked him. Ils l'ont chassé. But he went away. Il est parti ailleurs. In another place. Dans un autre endroit. He dig well. Il a commencé à what creuser des puits. Et qu'est-ce qu'il a he trouvé? Found the water. Il a trouvé de l'eau. And the people of that land they said. Et les gens de cet autre pays ont dit non. Cette eau belongs to us. Elle est à nous. Hallelujah. But they were there. Mais ils étaient là. They couldn't dig the well. Ils ne pouvaient pas creuser des puits. Hallelujah. There are some people who are fighting you for nothing. Il y a des gens qui te combattent pour rien. Hallelujah. And when people fight you, et quand les gens te combattent, tell to yourself, dis-toi, I'm being fight, je suis combattu, because I have something from God. Parce que j'ai quelque chose de no Dieu. No matter where I could be, peu importe où je vais I me trouver, will produce what God has put on me. Je vais produire ce que Dieu and a placé en moi. And they say he went to another land. Et ces gens, ces mêmes personnes qui étaient dans then ce pays-là, at that land. At that land, dans cet autre he pays, dig again. Il a encore and creusé. The Bible says, what et la Bible found? Dit, he found fresh water. Il a trouvé de l'eau fraîche. Hallelujah. He could think like a man. Il pouvait penser this comme is un homme. A very good place. En se disant, c'est un I bon found endroit. The fresh, the fresh water. De l'eau fraîche. De and l'eau. The people of that place, mais les gens de cet endroit, they came again to fight. Ils sont encore they said, revenus no, no, pour no, le combattre. This is not your place. Ils ont dit, non, ce n'est pas if ton pays. Someone tell you that this is not your place, si quelqu'un te dit, ce n'est pas do ton not pays, complain. Ne te plains pas. Alléluia. Ne te plains do pas. Not complain. Ne te plains pas. There is a place for you. Il y a un endroit pour a toi. A special place for you. Un endroit spécial don't pour complain. Toi. Ne te plains pas. Continue to dig. Continue à creuser. Perseverance. Persévère. Resilience. Résilient. Sois résilient. And continue to trust God. Continue à faire confiance à Dieu. And the Bible says finally. Et la Bible dit finalement. He went to somewhere. Il est allé à un autre endroit. And he started to dig again. Il a recommencé à creuser. And he found again the water. Et il a encore trouvé you de l'eau. See, vous voyez? There was no utility to fight this man. Il n'y avait pas besoin because de le combattre. Everywhere he's going. Parce que partout il allait. He was prosperous. Il continue à être and prospère. And the Bible says this. Et la Bible dit. God is always taking pleasure. Et Dieu prend toujours plaisir to the prosperity of his servants. À la prospérité de ses enfants. Hallelujah. Amen. You know that. Vous savez cela. This is the Bible. C'est ce que dit la Bible. The Bible says. La Bible dit. In the book. Dans le livre. Of Psalm chapter 128. Dans le psaume 128. 1 and 2, the Bible says, blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him. You will eat the fruit of your labor. Blessing and prosperity will be yours. In certain version, the Bible says, no, it's not this one. It's Psalm 35, sorry. C'est 35, Psalm 35, pardon. 27. The Bible says, let them shout for joy and be glad. Who favor my righteous cause and let them say continually, let the Lord be magnified, who has a pleasure in the prosperity of his servant. Hallelujah. Okay. Au psaume 35, au verset 27, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Ah non, in a French version is a bit difficult to understand that. But dans in la version English française, version, c'est un peu difficile de comprendre says, cela. Dans la God version anglaise, is always taking pleasure for the prosperity of his servant. Dans la version anglaise, il est écrit Alleluia. Dieu prend toujours plaisir they à la prospérité you, de ses serviteurs. They fight you, il te combat. God bless you. Dieu te bénit. They fight you, il te combat. God bless you. Dieu te bénit. They fight you, il te combat. God bless Dieu you. Te bénit. Because God parce que Dieu is always taking pleasure for the prosperity of his servant. Parce que Dieu prend toujours plaisir à la prospérité and de ses enfants. Time, et à cette période he went again, he il est dig, allé encore, il a creusé. And when he dig, et il a creusé. He found again the water, il a encore trouvé de l'eau. And he gave that place the name of. He gave that place the et name il a donné of, le nom de the name of Rehoboth. Read your Bible. Lisez votre Bible. Hallelujah. Amen. Amen. Read your Bible. Lisez the Bible, votre Bible says. La Bible then dit, he gives this place the name of Rehoboth. Et il a donné à cet endroit that, le nom de Rehoboth. At this stage, et à ce moment-là, God was with us. Dieu était avec and nous. We experienced the goodness of God. On a expérimenté la bonté de Hallelujah. Dieu. Amen.
That is the way walking with God. C'est comme cela qu'on marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Don't complain for your situation. Ne te plains pas de ta situation. God will bless you. Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. And your blessing will be very great. Et ta bénédiction sera très grande. The Bible is speaking about a hundredfold. Did you hear about this word? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Hundredfold. En français, ça veut dire quoi? Hein? Centuple. Centuple. Hundredfold. Le centuple. God speak to that man said, I will bless you hundredfold. Dieu dit, je te bénirai au centuple. And Jesus speaking to his disciple. Et Jésus parle à ses disciples. He said, there is no one en disant, who can leave his family, parent, wife, il n'y a personne qui peut laisser children, ses parents, sa famille, ses enfants venir à moi. Hallelujah. Without receiving anything, sans recevoir I promise quoi que ce soit, you, je vous he promets, will receive 100 volts. Vous recevrez au centuple. Hallelujah. Amen. Your blessing, ta bénédiction, is not like everyone blessing. Ce n'est pas comme la bénédiction de Hallelujah. Tout le monde. Amen. Soyons ceux-là qui pensent aux centaines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 100 volts. Hallelujah. I want you to go with this word. 100 folds. Tu partes avec cette parole. Say to yourself, I'm a man of 100 folds. Je suis un homme de centuple. I'm someone of 100 folds. Je suis quelqu'un qui produit Even le centuple. If they fight me today, même si on me combat aujourd'hui, I'm a man of 100 folds. Je suis un homme de centuple. I will walk like a man of 100 folds. Je vais marcher comme un God homme bless you. De centuple. Que Dieu Can vous bénisse. We stand on our feet? Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Amen. Hallelujah. 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 Let Jesus be blessed. Que Jésus soit béni. Let Jesus be blessed. Que Jésus soit Hallelujah. Béni. Hallelujah. The grace of God is in you. La this grâce morning. De Dieu est ici ce matin. I'm praying for you. Je prie pour and vous. And you can lift your hands. Levez vos mains. And start praying. Et commencez à prier. Start praying. Commencez à prier. I don't know your situation. Je ne connais pas ta situation. But God, mais Dieu, He knows very well. Connaît cette situation. He knows your conditions. Il connaît ta condition. He knows what you are facing like opposition. Il sait ce que tu connais comme It can opposition. Be in your family. Il, ça peut être dans ta famille. In your workplace. Dans ton travail. In what you are doing. Dans ce que tu fais. Don't complain. Ne te plains pas. And this morning, et ce matin, I'm praying so that the grace of God je prie que la grâce de Dieu be manifested in your life soit manifestée dans ta vie so that you can be productive afin que tu sois productif wherever you be partout où in tu whatever es, you do dans tout ce que tu fais because God is always behind this word parce que Dieu est toujours derrière sa parole to fulfill it pour l'accomplir. Hallelujah. Amen. Pray for your situation. Prie pour ta situation. Hallelujah. Father, thank you for this morning. Père, nous te remercions pour ce matin. I bless your holy name. Nous bénissons ton saint nom. I bless your holy name. Je bénis ton saint I nom. I know that there are people who are in desert this morning. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans le désert I ce matin. I know that there are people who are in a season of desert this morning. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans une saison de désert But ce matin. But you are the same God. Mais tu es le même Dieu. Who helped Isaac? Qui a aidé Isaac? To face famine. À faire face à la you famine. Are the same today. Tu es le même aujourd'hui. You are able to help my brother and my sister here. Tu es capable d'aider mon frère, ma sœur ici présent. To receive your blessing. À recevoir ta bénédiction. No matter his condition. Peu importe sa condition. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. In Jesus' Dans name. Le nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. I thought that you gave a good shout. A good shout. A good shout. Praise.